love you, protect you. I promise to be faithful to you and follow God along your side. I give you my very best to you, my very best friend. I love you. I promise to love you, to serve you, and to truly cherish you as my husband. Carrie, from now until forever, I give you my very best. I love you. And just like a little more further from each other, like that. And after, I want you to, when I tell you, I just want you to go slowly towards each other and kiss. Okay. Malgré tout, même sous les tropiques, il faut travailler, et partout, je pense, mais bon, on peut travailler dans des conditions plutôt agréables aussi. Le travail, c'est pas forcément de la torture. J'ai travaillé dans des conditions pires. Je préfère être ici que dans une rue de Paris ou dans une rue de Lyon ou je sais pas quoi pour photographier d'autres choses. Non, c'est bien. J'aimerais bien me baigner aussi d'ailleurs. Une maison de 200 mètres carrés avec vue sur le Pacifique. Depuis son arrivée au Costa Rica, Thomas, le photographe, n'a pas perdu son temps. Pourtant, au départ de cette aventure, ni lui ni sa compagne Amandine n'avaient de projet bien défini. Ça n'a pas été un choix de dire on s'en va de France pour aller chercher autre chose. Il n'y a pas un désir au début de partir pour s'installer avec une raison, avec quelque chose de très posé ou quelque chose qu'on recherchait particulièrement. Alors, pendant 3 ans, le couple de Français va parcourir une grande partie de l'Amérique centrale. Guatemala, Salvador, Nicaragua, à la recherche du bonheur. On ne savait pas où on s'arrêterait, puis on s'est arrêté ici. Ça nous a convenu au niveau tranquillité, sécurité, nature, possibilité de pouvoir reprendre nos métiers, des opportunités de travail. Ça va ? Et vous ? Ouais, super. Vous faites quoi ? Les devoirs. Bon demain. Au Costa Rica, Amandine et Thomas ont surtout fondé une famille. Un an après leur installation, Amandine va donner naissance à une petite fille. Aujourd'hui âgée de 6 ans, Lucie parle déjà plusieurs langues. Combien y a de jours dans la semaine alors ? 7. How many days in a week ? 7. 7. Alors Lucie, elle parle espagnol et français, donc français à la maison, espagnol à l'école, et elle apprend aussi l'anglais à l'école. Le Costa Rica n'a pas d'armée, a mis pas mal de son budget dans l'éducation, etc. Donc il y a un taux d'éducation qui est tout à fait correct et assez élevé. C'est vraiment un bagage parfait pour une petite fille de 5 ans de partir dans la vie avec 3 langues à la base. Je pense que c'est une chance qu'on lui donne énorme. Arrivé au Costa Rica sans un sou en poche, les Français ont aussi réussi professionnellement. La preuve, cette magnifique maison qu'ils ont dessinée et fait bâtir. Un parcours idéal qu'ils n'auraient pas pu réussir chez eux. On y va ? Dans la région lyonnaise. Ici, on a 2 hectares, quasiment. On a 2 hectares. On a une maison d'à peu près 200 mètres carrés, ce qui est quelque chose avec une petite vue sur mer, etc. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut valoir en France. À Paris, on aurait un appart de 20 mètres carrés. Je pense qu'effectivement, on n'aurait pas pu refaire en France quelque chose d'aussi... se construire une qualité de vie qui soit la même que celle qu'on a maintenant, aussi facilement ou en aussi peu de temps, en tout cas. Parce que quand on regarde la maison qu'on a construite, quand on regarde l'endroit où on vit, le travail qu'on a, qu'on fait, la flexibilité des horaires, la flexibilité de vie en général, il aurait pris beaucoup plus de temps en France, ou alors il aurait fallu gagner beaucoup d'argent. Non, ça n'aurait pas été aussi simple que ça. Car en France, certaines extravagances sont tout simplement impossibles, comme cette baignoire extérieure, utilisable 365 jours par an. Ça, c'est un des grands luxes qu'on peut avoir ici, c'est-à-dire avoir une baignoire en plein air. Donc tous les matins, on se réveille et puis on peut prendre notre douche dans les arbres en regardant les oiseaux, les singes ou
Les écureuils qui passent par là. Ah ben moi, je me lève tous les matins et c'est la première chose que je fais le matin, c'est de prendre un peu le soleil, ça me réveille. De prendre ma douche dehors, c'est de profiter. Voilà, en principe, il y a les singes, il y a souvent les colibris, les écureuils. Enfin bon, le matin, je pense qu'on pourrait compter une dizaine d'animaux différents juste en prenant sa douche. Toute l'année, c'est possible de prendre sa douche ici. Dehors. Dehors, pas de problème. La température minimum ici, c'est 23 degrés. On n'a jamais vu plus bas. La chaleur et la nature, c'est justement ce qui a poussé une autre Française à venir s'installer au Costa Rica. Il y a bientôt 26 ans, Fanny Steiner, une Nîmoise, débarquait sur ces plages presque vierges de toute construction. Je suis arrivée dans la nuit, donc le matin quand je me suis levée, j'ai vu ce paradis, j'étais vraiment heureuse. À l'époque, Fanny a 22 ans. Elle vient de quitter la France pour changer de vie et être plus proche de la nature. Dès son arrivée, la jeune femme ne va pas être déçue. Bon, j'étais jeune quand je suis venue, mais je fuyais déjà la consommation. Donc c'était moi l'amour à la nature, à la simplicité de la vie, l'amour aux animaux, être en harmonie avec la nature. Et c'est quelque chose qu'ici, vous le pouvez le voir, c'est tous les jours. Et j'en jouis tous les jours, je ne m'en fatigue jamais. Rapidement, Fanny va fonder une famille. Elle aura deux enfants. Pour gagner sa vie, elle commence par donner des cours de français, mais elle comprend très vite que c'est dans le tourisme qu'il faut investir. Elle emprunte alors de l'argent pour construire une maison et la louer aux touristes. Les affaires marchent fort, elle investit dans une deuxième maison. 15 ans plus tard, toutes ces constructions ont été transformées en hôtel. L'endroit est idéalement placé. Aujourd'hui divorcée, Fanny gère seule l'établissement et dirige une vingtaine d'employés. Comment ça, chicas? Comment va-t-on? Bien? Tout bien. Tout bien. Avec comme principale difficulté celle de s'adapter au rythme de travail local. Ils sont mollo, hein, tranquille, s'ils peuvent attendre 10 minutes pour le faire, ils attendront, ils le feront après. Mais c'est la mentalité générale. Ça fait partie, je vous dis, de la tranquillité au Costa Rica. C'est aussi dans le caractère des gens. C'est pas difficile de travailler avec des gens comme ça? On s'adapte. Moi, je me suis adaptée. Diriger une société, gérer du personnel, Fanny a tout appris sur le tas. Pour motiver ses troupes, elle a instauré par exemple une réunion quotidienne. En 25 ans de présence au Costa Rica, elle est devenue parfaitement bilingue. Todos los servicios son completos, tanto el mantenimiento, las limpiezas, todo es parte del producto, entonces tenemos que afinarnos siempre, hacer lo máximo, yo sé que lo están haciendo. Une femme qui dirige des hommes dans un pays latin, cela pourrait surprendre. Mais grâce à sa méthode, tout en douceur, Fanny a réussi à se faire accepter. Pour moi, es como una experiencia muy diferente a trabajar que tener un hombre a cargo, a mando. La forma de Fanny de tratar el personal es muy bueno. Es el tipo de persona con la que uno puede conversar, hablar y tomar decisiones, exponer ideas. Y de hecho, la mayor parte de mis ideas, Fanny me dice que sí. O sea, tenemos la posibilidad de proyectar e inventar aquí. Parmi les Français installés au Costa Rica, Patrick Jamon, 55 ans, s'est bâti une sacrée réputation. C'est l'un des plus grands chefs du pays. Mais quel que soit son emploi du temps ou ses obligations, cet Ardéchois a choisi de prendre la vie du bon côté. L'eau est bonne, le temps est beau. On est toujours en plus ou moins en short ou en t-shirt. Donc oui, ça c'est la tenue de l'année, ça. Voilà. L'uniforme du Costa Rica. Regardez cette belle vague là-bas qui arrive. Bravo! Avec le fils, c'est super. Petite bière, un petit quelque chose froid à boire, de l'eau. Donc. Allez, un petit rafraîchissement, c'est super. Regardez ça comme c'est beau. C'est le paradis là. Un décor paradisiaque qui n'empêche pas Patrick Jamon d'être très occupé. Car après le surf du matin, sa journée de travail débute enfin.
Au Costa Rica, Patrick Jamon est restaurateur. Comme tous les jours, il doit emprunter des kilomètres de piste en terre pour aller faire ses courses. Aujourd'hui, il emmène avec lui des amis français venus en vacances chercher un peu de soleil et de dépaysement. Et ils ne vont pas être déçus. La maman elle a le bébé sur le dos là. C'est trop beau ça. Ils étaient là avant nous, on est venus, on essaye de ne pas les embêter et tout le monde, tout se passe bien. Ils ont des habitudes un peu tristes parce que si un bébé singe naît et qu'il est mâle, le chef du groupe, qui est le mâle dominant, tue le bébé, le nouveau bébé. C'est assez cruel, non ? Oui, c'est assez cruel. Mais enfin bon, nous on dit rien. Pour la route. Pour son restaurant, le chef français s'adresse directement aux producteurs. Voilà le village de Lagardo. Lagardo, c'est un village de pêcheurs. Ah, apparemment, il y en a un qui arrive là. On va voir ce qu'ils ont attrapé. Tiene cabrilla grande. Cabrilla grande. Cabrilla grande y pequeña. Ah, oh, ils ont pêché un mérou de 12 kilos là. Un poisson qui vit à... Quanto metro est-ce qu'il vit 200 mètres, moins ou moins, non 70 mètres. 70 mètres de profondeur, ça vit, ça. Vous allez le prendre, celui-là? Oui, on va lui prendre celui-ci parce qu'il vient juste d'arriver là. Allez hop. En plus d'être frais, le poisson est ici à un prix modique. 4 euros le kilo, c'est 3 à 4 fois moins cher qu'en France. Je te devais 7500 colones. Et nos problèmes pour la prochaine. Tranquilo. Ok, gracias. Tranquilo. Gracias. Pour la vida. Patrick Jamon n'avait pas pris assez d'argent, il paiera la prochaine fois. Les affaires se traitent souvent comme ça au Costa Rica, à l'amiable et surtout sans stress. À quelques dizaines de mètres de la plage, c'est ici que Patrick Jamon a fait construire son restaurant. De l'extérieur, il n'a rien d'extraordinaire, mais une fois la grille franchie, l'établissement est bien plus convivial. Un restaurant familial où travaille son fils et surtout son épouse, surnommée Puce. Ça, c'est la patronne. Elle est en charge de tout le restaurant. C'est elle qui a dessiné le restaurant, dessiné tout l'établissement. Et c'est elle qui gère tout. Gérer un restaurant, le couple n'en est pas à son coup d'essai, car avant de venir au Costa Rica, Patrick et sa femme ont passé plus de 20 ans à Los Angeles. Le Français dirigeait l'un des restaurants les plus réputés des États-Unis. Le restaurant s'appelait Les Anges. Voilà, on était toujours plein d'acteurs et de personnalités. À la table de Patrick, le tout Hollywood, mais aussi les premiers personnages du pays. Et là, c'était les 5 présidents. Tous les présidents américains sont venus manger chez Patrick. Jimmy Carter, George Bush ou encore Bill Clinton. Un tableau de chasse à peine croyable. Mais à l'approche de la cinquantaine, le couple a voulu tourner la page. On a cherché un petit paradis pour s'enlever le stress. Parce que vous imaginez que pour servir tout ce monde-là, ça comprend beaucoup de stress et beaucoup de nuits blanches. Donc madame a dit, avant 50 ans, il faut qu'on sorte de ce milieu très occupé. Et c'est elle qui a pris en charge tout le projet Costa Rica. Ici, il me semblait que tout était facile. Puis...
la vie paisible. Et puis je voyais quand même qu'il y avait l'opportunité d'avoir les clients, hein, les clients pour Patrick. Hein. Un pari gagnant, car tous les soirs le restaurant fait salle comble. Les clients sont des Américains pour la plupart, ou comme à cette table ce soir-là, des Français. On a un ravioli de homard avec de la tomate et au basilic. On a les deux poissons qui sont le mérou avec du citron et du romarin. Et l'autre, c'est le congrio. Au petit soin pour ses clients, Patrick œuvre surtout en cuisine. Au menu, le marché du jour, avec notamment les poissons achetés le matin même sur la plage. Là, j'envoie un petit corvina avec une sauce au curry et du gratin dauphinois. C'est un poisson blanc. Non content de faire saliver la clientèle avec sa cuisine, c'est surtout le parcours du chef français qui fait rêver les convives. Déjà, je me rends compte que la carte postale, en fait, elle existe. C'est pas, donc, on la touche du doigt, elle est réelle. À vivre au quotidien, moi, c'est pas une vie qui me déplairait. C'est vraiment, c'est vrai que c'est un autre monde, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon d'approcher. Les gens sont très agréables, d'une manière générale. L'accueil, il est vraiment super. Moi, je sais que ça me plairait, ouais, ce genre de... Alors, on ne peut pas faire un rapprochement par rapport à ce que l'on fait chez nous, mais je pense qu'on pourrait s'adapter rapidement. C'est une vie nouvelle, quoi. Bon, toi, je vais travailler à l'atelier. Hein. S'adapter, c'est très exactement ce qu'a réussi à faire Amandine, l'épouse de Thomas, le photographe. Vous allez où ? Bah, je vais travailler, vous allez voir. C'est pas bien loin, c'est juste à côté. À deux pas de la maison, Amandine a installé son entreprise. Une petite maison à l'autre bout de la propriété. Voilà, Yvette. Estos no me los metes. Mejor hágame estos y estos, sí. Sería mucho mejor. Super. Y estos. Ah, pero... Rosario, ¿ya cortaste? Sí, ya corté todo y estoy con lo de las tiras. Un atelier de couture, deux salariés, c'est désormais le quotidien d'Amandine. Para meter en bolsas. Listos para llevar. Voilà, c'est prêt. Alors moi je fais de la décoration d'intérieur, je suis spécialisée dans le textile notamment, puisque j'ai une formation de costumière de scène. Et... Je me suis recyclée dans le design d'intérieur puisqu'il y a plus de travail dans ce domaine-là, dans le coin. Et je fais de la déco pour les maisons de luxe et les appartements qui sont autour, donc sur la côte. Je leur fais des coussins, des rideaux, des dessus de lit, tout ce qu'ils ont besoin, tout est fait sur mesure. J'ai commencé toute seule à faire tout de A à Z. Et à apprendre des nouvelles techniques, évidemment, qui sont propres à la décoration, à utiliser des tissus qui sont spéciaux pour les climats tropicaux, qui ne déteignent pas au soleil, qui ne moisissent pas en saison des pluies. Donc, c'est des tissus qui sont vraiment spéciaux pour ce genre de climat. Et voilà, et puis... On y va, quoi. Et la petite affaire d'Amandine tourne à plein régime. Aujourd'hui, elle vient livrer des coussins faits sur mesure dans un club privé de plage qui va ouvrir prochainement. L'heure de la siesta. Le patron en personne est là pour l'accueillir. Amandine sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Si son client est satisfait, cela lui fera une publicité énorme auprès de tous les clients de ce club haut de gamme. Ready to install. Perfect. Yes. Sounds like that. Wow. Can I try? Oh yeah, you can try. Let's put the throw pillows on them. Look at those ones. Very nice. Very, very nice. Is it comfortable? It's incredibly comfortable. And the view and this is very nice. This is exactly what we were hoping to have.
She's very talented. Okay, let's try them. What a view! Ça fait vraiment plaisir. Il y a toujours un petit moment d'anxiété, évidemment. Mais quand les clients sont contents, je suis contente. Voilà. Et là, on peut rester là pendant des heures. La vue de la mezzanine donne sur un estuaire. Un spectacle naturel qu'Amandine pourrait contempler indéfiniment. Je ne pourrais pas me lasser de ce paysage. Il y a... C'est tellement joli, il y a les petites barques là qui passent, il y a les surfeurs qui traversent pour aller à Playa Grande de l'autre côté pour surfer. Les vagues, le ciel bleu, azur, c'est magnifique. Retour avec Fanny. Une fois qu'elle a fini de s'occuper de son hôtel, la journée de la française est encore loin d'être terminée. Direction cette école, un établissement privé qui accueille près de 300 élèves. Des costariciens de l'école primaire au lycée, mais aussi plusieurs enfants d'expatriés. Donc on a le drapeau français, le drapeau costaricien au fond, et au centre le drapeau bleu qui correspond au drapeau d'écologie. C'est grâce à la France qu'on est là. Si cette école arbore le drapeau français, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce qu'elle a été créée par Fanny, il y a tout juste 12 ans. À l'époque, elle avait du mal à trouver un bon établissement pour ses enfants. J'avais ma fille à l'école et il manquait une collège. On avait un grand problème sur le niveau de collège sur la région. En fait, c'était le pire collège qu'il y avait au Costa Rica. Donc moi, je me suis toujours fait du souci pour l'éducation de mes enfants. J'ai décidé de faire quelque chose. Donc, je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai touché les portes, je suis allée dans les universités, les députés. Je voulais faire quelque chose. J'ai créé la fondation et on a commencé à construire le collège. Donc ici, on a commencé avec deux classes. Et ma fille, c'était le premier bac. Donc maintenant, depuis l'an 2000, on est ouvert et on a à peu près 120 gamins qui sont sortis du bac à peu près. On comprend mieux alors pourquoi dans cette école, Fanny est aujourd'hui considérée un peu comme une madone. Comment estás? Bien. Puedo saludarte? Bien. ¿Cómo te va este año, guapo? Bien. Ya tengo 6. ¿Qué está haciendo? ¿Ya tienes 6 años? Sí. Qué bien. ¿Cómo le va, mi amor? Está haciendo una mariposa. Qué bien. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Ces enfants ont à peine 6 ans et ils savent déjà tout ce qu'ils doivent à la française. Ah, c'est possible, maman. Si, tu maman está trabajando conmigo en el hotel. On aime les voir petits, on aime les voir grands quand ils sortent bien avec leur bac et contents de pouvoir faire des professionnels après aussi. Pour donner toute leur chance aux enfants, Fanny a mis en place un programme intense avec apprentissage obligatoire de 3 langues vivantes, cours de gestion et de tourisme. Buenas, ¿cómo están, chicos? Pour tous les enfants, c'est uniforme obligatoire. La discipline est de rigueur et comme si cela ne suffisait pas, Fanny vient souvent, en personne, dans les classes rappeler aux enfants les valeurs de son établissement. Y acuérdense una cosa, que estamos aquí para ayudarlos a ustedes, porque queremos que ustedes crezcan, también queremos ser orgullosos cuando salen de acá. Eso es lo que nosotros queremos, verlos en la calle, mira ese maestro de cole, qué bueno. No, es verdad, eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes sean grandes, personas de valor, de respeto, responsabilidades en la vida futura. Fanny aujourd'hui est victime de son succès. Elle va devoir agrandir l'école car les demandes d'inscription sont de plus en plus nombreuses. Retour avec les restaurateurs ardéchois. Depuis qu'il est arrivé au Costa Rica, Patrick Jamon a instauré une tradition. Une fois par semaine, il réunit quelques amis sur la plage pour organiser un barbecue, mais surtout pour admirer un spectacle grandiose, le coucher de soleil. Sur la plage, il retrouve aussi quelques habitués, comme cet homme de 81 ans, son nom Sous Lopez. C'est lindo, hein? Il affirme n'avoir jamais manqué un coucher de soleil
depuis les 15 dernières années. Se llama la hora tata. La hora? La hora tata. Tata. ¿Por qué se llama la hora tata? Así es, sí. Es un dicho guanacasteco, la hora tata. Cuando se acuesta el sol. Cuando se acuesta el sol y se pone rojo, rojo. Se llama la hora tata. Y dura como 2 minutos para acostarse. Allez, on met le morceau de poing gris. Entrecôte de bœuf rôti. Messieurs, dames, le coucher du soleil vous appelle là. Hop, hop, hop. Par contre, des fois, sunset. Sunset time. Pour certains de ces Français venus en vacances au Costa Rica, c'est le dernier coucher de soleil. Ils repartiront demain. Derniers instants de convivialité, dernier moment de contemplation aussi, devant un tel spectacle. C'est vraiment la carte postale. Vous savez, des fois sur les magazines, on a des posters pour lesquels on peut les mettre sur les murs. Et c'est ça, ce coucher de soleil là, avec la mer au loin, le paradis. Ok. Thomas, lui aussi, profite des derniers rayons de soleil. Ok, looking at me, over here, that's it, that's my, perfect. And looking just like to the tree over there, more or less, yes. Yes, here we go. Okay. Cette fois, c'est une famille qui souhaite se faire tirer le portrait. Un souvenir de vacances du Costa Rica. Ok, walking a little more, we've got a really nice light over there. Yeah, one more time. Okay, 1, 2, 3, jump. Okay. Après 7 ans, Thomas a pris goût à la vie paisible du Costa Rica. Et pour l'instant, il ne compte pas retourner en France. Retourner travailler en France, c'est vraiment pas quelque chose que je peux comprendre en ce moment. Enfin, que j'imagine en ce moment. Non, je vois pas ce que je ferais en ce moment là-bas, qui sera aussi agréable que ça. Okay, one more. Look at me. C'est cool. Ok. Great. Got it. Fin de soirée avec Fanny. Une fois par semaine, la Nîmoise a instauré une tradition. Señorita, are you ready? I'm ready. Come in, baby. Let's go party. Comme tous les samedis, la Française a donné rendez-vous à une amie pour aller danser. Au programme, salsa dans un bar à 2 pas de la plage. Ben, c'est mes soirées de samedi soir. Je viens me défouler un petit peu. J'aime la musique latine, l'ambiance simple. Je pense que c'est agréable, vous l'avez vu. C'est un endroit où je trouve des copains, tout le monde me connaît, donc je me sens à l'aise, je me sens chez moi. En France, les gens ont toujours honte, les gens ont peur de danser, ils ont peur de faire. Je pense aussi que tout le monde est plus libre, les gens sont plus ouverts. C'est plus facile de faire de l'ambiance qu'en France. Aujourd'hui, Fanny ne renie pas ses origines, mais elle a trouvé ici une sérénité, un équilibre qui lui convient à merveille. Et comme beaucoup de Français installés au Costa Rica, elle n'imagine pas revenir vivre un jour en France.